Freddy Fautrel, l'arbitre de cette rencontre, vous venez de retourner sur la pelouse comme prévu. Quelle est la décision définitive ? La décision définitive a été prise en concertation avec le délégué de la LFP, qui revient cette décision jusqu'à 2 heures avant le coup d'envoi. On a décidé de reporter la rencontre, puisque là, effectivement, la pluie redouble, donc par principe de précaution, avec en primeur la sécurité des joueurs. On décide le report définitif de la rencontre. Donc c'était vraiment la sécurité, l'intégrité physique des joueurs. Vous savez, il y a des échéances importantes pour tous les joueurs. On ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité, c'est ce qui doit primer pour un arbitre. Que ce soit avant, pendant et même après, donc sécurité des joueurs qui est primée. C'était trop compliqué, Freddy, de prendre cette décision dès hier en connaissant l'alerte orange tout le week-end sur la région marseillaise. Vous savez, on essaye toujours de faire un maximum pour faire jouer une rencontre. Après, il faut que toutes les conditions soient réunies, elles ne l'étaient pas hier soir. Lorsqu'on est arrivé à 12h45, on a eu une accalmie, le terrain évoluait très rapidement dans le bon sens, donc on a essayé de patienter jusqu'au maximum. Là, les conditions météo ne permettent plus d'attendre un peu plus en avant, donc on annule. Un dernier mot, Freddy, sur la date de ce match. C'est la commission d'organisation qui va se réunir dans les plus brefs délais. Je suis uniquement désigné sur le match, c'est la commission qui décidera d'une date ultérieure. Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup, Freddy. Merci.